Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Lorcana, chapitre 4, le retour d'Ursula, qui est sorti. Tout juste là, ça sort, c'est sorti donc vendredi. Allez, on va s'ouvrir, c'est une petite display. En espérant sortir, bien entendu, une petite enchantée comme d'habitude, mais comme d'habitude, bah, il n'y en a pas. On n'a pas réussi à en sortir une en vidéo pour l'instant. On va peut-être y arriver un jour. Alors, il y a quoi là? Ah oui, c'est dessous que ça s'ouvre comme ça là. Il y a une languette dessous. Voilà, on s'ouvre comme ça. Voilà. Et voilà. Donc on va s'ouvrir les 12 boosters aujourd'hui. 3, 6, 8. Et les 4 premiers là. 4. Voilà. Et il va y rester exactement la même chose pour mardi prochain. Voilà. Donc les 12 premiers boosters. Chapitre 4 avec Sissi, Ursula. Et la petite sirène. Voilà, les trois visuels sont là. Et donc la nouveauté de ce quatrième chapitre, cette fois-ci, c'est le retour du puzzle. Mais cette fois-ci, il n'y en a pas quatre, il y en a neuf directement. Donc dès que j'aurai les neuf, bah, je vous le montrerai directement. Je le mets directement dans les pochettes pour que les neuf soient mis directement. D'ailleurs, on ne l'a pas celle-là. Hop, voilà, ça en fait une de plus que je mets directement dedans. Voilà, comme ça il n'en manque plus que 3. Allez, c'est parti. Hercule. Je vais enlever ça. Je ne me suis pas préparé, bien entendu. Pauvre âme en perdition. Jack. Glaner. Pas qui c'est. Big Ben. Ça, on les connaît tous. Les balais magiques. Il y en a pas mal dans cette extinction. Creuse encore et encore. Aladdin. Courageux sauveur. Hercule, demi-dieu. On commence par une petite rare, un objet, une petite rare objet. John Silver, deuxième rare. Et le petite feuille. Une petite commune, Chenpo. Petite commune feuille, allez. Allez, Ursula. C'est l'extension d'Ursula. On espère avoir la carte, pourquoi pas, la carte d'Ursula. Bon, je ne suis pas vraiment spoil sur sur du Lorcana. Donc celui-là, on ne l'a pas non plus. Voilà. Il manque encore deux. Oui, c'est ça. Il manque encore deux. Si j'ai les deux autres. Et je pourrais vous montrer le puzzle à neuf. Invocateur d'encre caché. Hans. Prince Eric. Yao. Pat. Alors, est-ce qu'il y aura autant de belles illustrations que dans la dernière, avec les 101 Dalmatiens et tout ça? Eureka! Ça, c'est Bernard et Bianca, ça. Le prince Philippe en rare. Une super rare avec Ariel. Ce qui est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Et petite commune avec le petit Pégase. Gaz. Comme ça, on va les mettre là. Et ça, les feuilles, on les met ensemble. On espère avoir au moins 2-3 légendaires là. Dans ce display, on espère en avoir au moins 6. Les 6, maintenant, je trouve que ça fait. Ça a l'air de faire pas mal. Oh, on l'a pas non plus celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, elle est vraiment pas là celle-là. Mais c'est celle-là qui est à l'envers. J'ai mis un puzzle à l'envers. Je peux pas vous le montrer si c'est à l'envers en fait. Voilà, celui-là il va là. Et celui-là il est à l'envers, il va là. Voilà. Il nous en manque plus qu'un. Et oui, il ne manque plus que celui du milieu et je peux vous le montrer tout de suite. J'en avais mis un à l'envers. Belle. Gus. Les petites souris sont de retour. Bloc de glace. Augustin. Argès. Pour le moment, les cartes sont pas trouvé de cartes, on va dire, très belles. C'est vrai qu'il n'y a pas de. Pour l'instant. Pas de cartes qui sortent du lot. Ah, première légendaire. Diablo.
Le messager dévoué derrière, qu'est-ce qu'on a? Le petit Big Ben en commune. Comme une feuille. Le Diablo. Qui sera une des cartes jouées. Donc cette carte est épuisée. Chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, vous piochez une carte. Ah oui, ça c'est. Oui, bah forcément. Si pendant le tour de ton adversaire, tu peux piocher en même temps. Pas étonnant que ce soit fort. Et que ça soit. Que ça va être très joué même. Pour 3, une 2, 2 en plus. Il n'y a pas photo. On va la mettre dans le décor. El Diablo. Allez, tissu. Tissu. Donc c'est une des très belles cartes de l'extension, ça déjà. Allez. Maintenant, on va voir celle du. Oh bah oui. Nickel. Ça, c'est celle du milieu. Donc, ça doit aller dans ce sens-là, je pense. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, je vais vous présenter juste après. Ce que ça fait le puzzle. Et ça représente une carte de l'extension d'ailleurs, je crois. J'espère qu'on va la voir parce que c'est la légendaire. C'est la légendaire d'Ursula, je crois, celle-là. Je suis pas sûr. Hein. Je me suis pas spoil sur les cartes. Donc je suis pas sûr que ce soit la légendaire, mais il me semble que oui. Titre rare. Le repère d'Ursula. Réponse. Ça, voilà une jolie carte. En voilà une. Une rare feuille aussi. On est une famille. C'est une chanson. Une petite chanson. Allez, on va vous montrer l'Ursula si elle rentre. Alors voilà, voilà ce que ça donne de puzzle. Très, des 9 cartes. C'est juste sublime, voilà. Ça représente normalement une carte de l'extension, il me semble bien. J'espère qu'on l'aura. Et voilà, c'est. Ils ont fait quelque chose de bien là par contre. Allez. Voilà, je vais passer le puzzle. D'ailleurs, on l'a eu assez vite parce que j'ai ouvert quand même. J'avais ouvert 6 boosters à la diag comme ça que j'avais fait en loup. J'en ai eu une légendaire sur 6. Ce qui est pas si mal que ça. Donc maintenant, je ne vais pas vous présenter les puzzles. Vous pourrez gagner peut-être le puzzle la prochaine fois. Je vais regarder ce que. Je vais surtout regarder ce que j'ai en double. Parce que 9, on n'est pas forcément obligé de toutes les avoir. Donc si j'arrive à en avoir un deuxième, je vais essayer de vous le faire gagner. Enfin, si j'en ai un deuxième, je vous le ferai gagner, ça c'est sûr. Mais c'est pas gagné, hein, d'avoir les 9 différentes. Aladdin. Hercule. Une super rare avec Ariel, qui est non ancrable celle-là. On voit le symbole, il est tout noir, il est non ancrable. Une petite commune avec Pégase. On a eu le petit Pégase, maintenant on a le gros Pégase. En feuille tout à l'heure. Allez. Sissou. Montre-nous des belles cartes, Sissou, s'il te plaît. S'il te plaît, la petite Sissou. Allez, le décor, vous les avez vus. On enlève Raya. Elle est pas mal celle-là en illustration. Pas dire qu'elle soit jolie, mais bien mise en avant. Oh, Jetsam. Carrément le trident, lui. Gus. Glamour. Plutôt. Il est presque dans la même position que celle dans la terre d'encre. Ariel. Mickey Mouse. Qui c'est qu'il y a là-bas? Ah, c'est Clara. Il y a Clarabelle là-bas. Et derrière, là-haut, il y a... Ouais, ça doit être Horace qui a là-haut en tout petit. Des cartes qui ne sont pas sorties avec Clarabelle et Horace, encore. Flotsam et Jetsam. Can. Le Bruno. Ah, dommage. Sissou. Ma petite Sissou. Et une commune encore. Si on pouvait arrêter d'avoir des petites communes feuilles, avoir un peu mieux que des communes en feuilles. Petite légendaire, hein, pourquoi pas une petite légendaire feuille, allez. Allez, allez, allez. On veut de la belle carte. Hop, on enlève le puzzle, c'est fait. Hercule. Qu'est-ce qu'il a cassé là encore? Il casse toujours quelque chose. Pico. Mégara. Fali. Daisy, oh. La mousquetaire espionne,
Yao. Megara. J'ai une autre forme avec son petit papillon là. Donald, qu'on a bu déjà tout à l'heure. Ursula. Elle n'est pas contente du tout là. Un rare, le prince Philippe, qu'on a déjà eu tout à l'heure, il me semble. Et encore une rare, on est d'une famille. Qu'on a eu en foil tout à l'heure. Et encore une rare. Une petite rare foil. Madame Samovar. La théière enchantée. Il me semble que la brillance sera moins que dans la deuxième. Il me semble que la deuxième, c'était. Ils avaient arrangé le foil, mais là, il me semble que on le voit un peu moins bien. Lishan. Balai magique. Alors, des balais magiques, il y en a plein. Diablo, voilà. Voilà la commune. Et voilà la légendaire derrière. J'en ai rêvé. Big Ben. Louisa Madrigal. Pégase, un autre Pégase, il y a quelques Pégases là, Dijon. Félix. Grand dragon de pierre. Pas mal l'illustration. Jasmine, qu'elle n'avait pas vu encore. Il me reste un espoir. Ah, Hercule. Allez, un petit balai magique. En foil, en holo, pour ceux qui préfèrent. 4 boosters. Il va peut-être falloir arriver à avoir des légendaires quand même. Une légendaire sur 12 boosters. Sur 12 boosters, on aimerait bien en avoir au moins 3. Seulement une seule. Gunther, Hans, Augustin, Shenpo. Camilo, Pat, Lichan. Allez, qu'est-ce qu'on va voir là derrière? Ouh, double légendaire. Il ne peut pas y avoir moins qu'une légendaire. Donc, tu as un booster à 2 légendaires. Waouh. Allez. Ouah, Cendrillon. Ouah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Chaque fois que ce personnage chante une chanson, vos autres personnages princesses gagnent plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Waouh, magnifique. Alors, on peut avoir un booster à 3 légendaires. Hein, parce que si la foil derrière peut être légendaire. Donc là, il y a 2 légendaires, ça c'est sûr. Waouh, le booster de malade. Là, 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 voilà. C'est donc, c'est pas tout à fait la même illustration, mais elle est là, quoi. Waouh, l'illustration. Le booster de malade. Attendez. Ah non. Le petit Mickey. Dommage, on aurait pu avoir une légendaire foil derrière. Mais regardez-moi ce booster. Waouh. On va montrer un peu plus près celle-là aussi. Quel booster. Superbe carte. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage et épuisez-le. Déjà, ça c'est pas mal. Et les autres personnages ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Ah, ça contre les Ursula, contre les decks chansons. Voilà. Parfait. Bah écoutez, 2 légendaires dans un booster, on peut faire mieux. Parce qu'il peut y en avoir 3. Mais 2, c'est quand même déjà assez rare. 3, c'est. Ça serait hyper rare encore. Mais on a 3 belles légendaires. Honnêtement, on a 3 belles légendaires de l'extension. Parce que Ursula, ça va être très joué. Contre les decks chansons, ça va être hyper joué. Et Cendrillon, je pense aussi, pour les decks chansons, je pense que Cendrillon sera joué aussi. Ça ne coûte que 5. Si tu n'as un 5, il faut aller les chercher, les points de vie de 5. Et je vous parle même pas d'Ursula qui a ses 7 PV et 4. Très beau booster à retenir. Très très beau booster. Allez, la planche. Donc on a nos 3 légendaires. Ce qui est pas si mal que ça déjà. Donc si dans la deuxième partie on en a autant, ça sera génial. Bloc de glace. Mais bon, on n'a pas fini. On a encore 3 boosters avec celui-là. On peut en sortir encore une. On peut sortir encore de la légendaire. Eureka. Ling, Rob, la rose mystique.
Et une super rare avec Raya. Et Pascal, en commune brillante, en commune feuille du coup. Allez, deux boosters pour faire une petite dinguerie. Allez, c'est parti. Deux boosters. Pour faire 4 hits sur 12 boosters, pourquoi pas? Ça serait génial. Et peut-être qu'après la deuxième partie, il va y en manquer. Déjà 3 légendaires, c'est beaucoup. C'est déjà pas mal, on va dire. Anna. Oh, Max. Les libres, Max. Le toutou est là. Chien de berger fidèle. On voit pas ses yeux à chaque fois, lui. Ariel. Prince Eric. Hercule. Polochon. Tous ses secrets. Chambre du miracle. La chandelle du miracle. Oh. Une super rare feuille. On l'avait pas eu, le Peter Pan, donc on l'a directement en holo. Aux autres personnages avec insaisissable gagne charge. Oula, ça va taper vite. Charge. Et en plus, il a charge lui aussi. La charge est insaisissable. Mais disons. La seule difficulté, c'est qu'il n'est pas ancrable. Donc on est obligé de le jouer. On ne peut pas le poser. Pour avoir de la ressource. Mais bon, charge insaisissable, c'est pas mal. Allez, dernier booster de cette ouverture. On est déjà à 16 minutes. On va aller vite sur le dernier. Belle, on l'a déjà vu. Thor. Oh, on l'avait pas vu, Thor. C'est un fleuriste. Bizarre. Oh, la princesse Aurore. Là, une belle carte. Voilà une belle carte. Et c'est que des communes. Donc, très belle carte d'Aurore. Prince Eric. Balai magique. Plan d'Ursula. Peine. Shifu. Shifumi. Allez. Oh, Dingo. Ah ouais, quand il mange ses super cacahuètes. Le super Dingo. Ah oui, ils ont sorti sa version. Allez, peut-être une autre dinguerie ou pas? Ah, pas de dinguerie sur ce dernier booster, dommage. On en sortira sur la deuxième partie de la display. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On a sorti trois belles cartes, quand même, de la display. Trois belles cartes. Trois cartes qui vont être certainement très jouées. Je pense que Cendrillon le sera aussi. En tout cas, le Diablo est sur celui-là, c'est sûr. Et je pense que bah, Cendrillon, ça va être la même. Voilà, je vous dis à mardi prochain pour de l'Orcana, sinon ça suit son cours sur du Pokémon, toujours au jour habituel. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut les petits clous.